Salut les fans de hockey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur NHL 22. On va s'ouvrir les récompenses de Clash. Et le jeu m'a pas mal remotivé à jouer avec tout simplement le Master Set 99 de l'événement Trophée offert à la fin des objectifs. Du coup, j'ai beaucoup rejoué. Et comme vous le voyez, on termine Elite 1 cette semaine. Pas mal du tout, avec un méga pack en plus et un pot de puck, mais ça c'est anecdotique. Donc les amis, est-ce qu'on peut avoir un maximum de pack lock cette semaine et repartir avec une énorme mauve? Eh ben on va voir ça. Du coup on récupère les récompenses et on file dans l'inventaire les ouvrir. Allez c'est parti! Voilà, les packs sont là, on a le Jumbo joueur NHL habituel, on a deux méga packs et le pack joueur Jumbo Premium. Les amis, on va commencer par les méga packs, on fait dans l'ordre du nombre garanti de 80+, seulement 4 dans les méga packs, mais est-ce qu'on peut déjà avoir une belle surprise dans cela? Eh ben c'est parti! Allez, allez le jeu, allez, allez, allez! On se lance sur le premier! J'adorerais packer un Master Set 99 de l'événement, ça serait tellement fou! Tellement ouf de pas avoir à en construire un, même si j'attends du coup, je sais que je vais en récupérer un gratuit. Ah, il y en a d'autres qui me plaisent quand même. Je sais qui je me ferai gratuit, mais l'autre, ouais. Un en plus, ça serait pas mal. On commence par tout petit. Ok, par du joueur argent. Ok, de l'or. CNHL, ça se vendra. Première dorée, du coup, de cet opening, 81. Le plus petit, le minimum syndical, clairement. Ok, Jandaï. Ouais, ça reste petit. Allez, allez, faut que ça grimpe. Faut que ça grimpe. 62. Non, ça s'appelle pas grimper. Ça s'appelle descendre une grande pente, ça. 69. Ok, petit joueur encore. Bientôt la moitié du pack déjà. Rien de notable, seulement 81. Célébration, on mettra ça dans une collecte. Bon, pour l'instant, ouais, joueur argent, casque. Allez, 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 on veut mieux. Waouh, 750 pucks. Ah, un petit joueur 82, ça se vendrait déjà plus que ça. Ok. Allez, doré, 82. Voilà. On appelait presque une 82. Elle est là. Brady Tkachuk. Allez, on veut commencer cet opening par une mauve. On veut commencer par une mauve, les amis. Ok, 80. Ah ouais, mais bah du coup, c'est la troisième 80 plus garantie. Ok, il en reste une qui se cache dans les dernières cartes du pack. 117. Ok, petit chandail. Ah, la voilà. Sur Henrik Sedin, que j'avais pas. D'accord, très content pour ma collection personnelle, du coup, dans l'album, ça fera très bien. J'ai le frère, par contre. Nickel, j'ai la doublette. Ok, allez, 5 cartes. 84, ok. Bon, 84 dans le premier pack, dans un méga pack, clairement pas garanti. Ok, on va prendre, ça fera un peu de puck, au pire, en vente. Allez, la dinguerie, elle est dans les 3 dernières. Ok, pas là-dessus. 600 chandail or. Ok, ça reste rouge. Logo, et la dernière. Ah, ça reste rouge. Dommage, sur un 79. Bon, bah quand même 84, du coup, dans ce premier pack. On a fait déjà des méga packs avec pas une seule 81 dedans. Hein. Donc bon, 84, à s'en contenter. Allez, sur le deuxième. Allez, allez, allez. Notre Master Set 99, on va aller le chercher. Ok, non, c'est pas ça. Première 80 gâchée parmi les 4 garanties. Ok. 74, 77. Ah, c'est même pas NHL. Oh, mauve! Oh, 93! Oh, 93, c'est pas mal. Oh, 93, ça se vendra bien. Bah, du coup, les amis, c'est pas un Master Set 99, mais ça reste quand même une très belle mauve. À ce moment-là de l'année, 93, ça fait plus mon équipe. Mais bon, ça fait quand même un bon overall. Puis ça se vendra. Ouais, je la vendrai. Maintenant, j'essaie de faire plus de pucks que de collection. Donc bon, eh ben, ça va me permettre de mettre de côté pour des prochains packs. On l'a, notre belle mauve, les amis. On a un beau pool 93. Allez, dans un méga pack. Dans les packs qu'ont les plus petites probas, en plus. Est-ce qu'on peut faire un gros doublé? Eh ben, on continue. Mais déjà, voilà, une 93, c'est pas mal du tout. Ok, 74. 77. Ah, ça c'est cool. T'as 93. Ça va se vendre bien, ça. Se vendre très très bien. Isenberg, 80. Ok, donc déjà 3 80 plus de tombée. Et dans le premier tiers du pack. Oh, 85. Wow, 93 et 85 dans un méga pack.
Mais je sais pas si ça fait, si c'est pas le meilleur méga pack qu'on ait ouvert cette année. Si vous vous souvenez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je crois que c'est le meilleur méga pack qu'on ait ouvert cette année. Faudrait que je vérifie. Mais grosse mauve et 85. Ah, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a déjà fait bien pire. Et qu'on est au premier tiers du pack. C'est pas dit qu'on n'ait pas encore un énorme truc là-dedans. Ok, 80. Lui, il est bonus. Ok, du petit joueur, pas NHL. Ok, on est à la moitié. Ça me permet de faire des collecteurs bonus aussi. Tous les petits joueurs comme ça, or que je peux pas vendre. Ok, McTavish. Allez, une autre dorée. Ah, seulement 81 par contre. Clairement moins bien. Ok, les petits joueurs or. Or, on descend sur de l'argent. On rentre dans le dernier quart du pack. Oh, il est spécial celui-là, vert avec le logo blanc comme ça. Oui, marrant, ceci dit. Allez. Oh, deuxième fois qu'on pack le logo de Rogel en deux packs. Allez, dans les trois dernières. Mais on l'a déjà eu, notre dinguerie. Donc là, les probas sont pas hautes. On reste sur du rouge. Merveilleux chandail kaki. Et sur la dernière... Non, ça reste rouge, sur un petit 74. Bon. Eh bah, on retourne 3 secondes sur notre gros pool du pack. Ah, pas dégueu, hein. Je veux juste aller voir un peu s'il aurait été utilisable il y a genre 2-3 mois. Ah, 93-93 de vitesse, enfin d'accélération vitesse. Moi qui ai manqué de vitesse dans mon équipe clairement toute l'année. Non, franchement, il aurait même pas fait l'équipe il y a un mois, je pense. C'est pas grave, Mangiapane va nous rendre riche. Hop là. Eh ben allez, il reste les deux. Il reste deux packs avec de meilleurs probas que le méga. On va commencer par celui-là avec les seulement 5,80 plus garantis. Terminera par le gros pack. Allez, allez, on veut poursuivre la pack luck. Est-ce qu'on peut avoir encore mieux que 93? Ça serait fou. On commence par un 80, comme sur l'autre pack. Ouh. Est-ce que ça appelle pas une grosse mauve, ça? Non, doré, 83. Bon, pour l'instant, ça m'en fait des joueurs à vendre. Ok, ça retombe sur petit. 80, dommage. 3,80 du coup. Enfin, 2,80 à peine sur les 5 garanties. Ok, voilà la troisième avec des singles. Il nous en reste un du coup. Ok, le voilà. Ouh, ouh, qu'on va se manger la répercussion là. On va avoir que dalle dans celui-là. Ok, petit. 74, c'est la même chose. Colton, 77. Ah, 82. Bon. Ça se voit encore, mais un peu moins fou que le reste. Ok, sur du petit. Le minimum syndical des 77. On remonte sur du joueur NHL. 81, dommage, c'est pareil. C'est le minimum. En doré. 81 encore. Allez, sur les trois dernières. Allez, allez, allez! Rouge. Non. Allez. Allez, la mauve. 115. Et sur la dernière. Allez. Ah, ça reste rouge. Tant pis. Sur Tyler Pitlick, qui aura joué... Je sais même pas combien de matchs il a joué avec le Canadien depuis qu'il a été récupéré. Très peu de chances de le revoir l'année prochaine, clairement. Hop. Bon, et ben les amis... On a quand même une mauve 93 et il nous reste le plus gros pack de la vidéo, les 10,80+, et au niveau des probabilités, je sais plus à combien on est rendu, mais je crois qu'on est pas loin des 20%. Si vous vous souvenez que vous avez vu ça récemment, n'hésitez pas à me dire. Après, les probas changent constamment vu qu'ils rajoutent de plus en plus de mauves. Et bah allez, 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 si on peut faire le doublé, l'énorme doublé, ce sera avec celui-là pour terminer la vidéo. Allez, le jeu. On commence par petit, 81. Jeff Carter, il compte dans les 10 du coup, c'est dommage. Ok, 81, Mike Smith, c'est pareil. Ah, rouge, ah, 80. Ah, dommage. Quand c'est rouge, on espère tellement que ce soit pas une 80, juste pour conserver les stats. 78, voilà, une carte comme ça, c'est pas mal. 81, ah. Allez, allez, faut que ça regrimpe. 80 seulement, bah on a déjà la moitié des 80 plus quasiment de partie dans le pack. Ok, 79, 78, c'est bon, moitié du pack, allez, allez pour nous lâcher le doublé.
77. 81. Putain, on en a une belle flopée là de 81 merdiques à vendre très peu cher là. Allez, allez, faut que ça grimpe. 80. Oh putain, ils aiment ça. 81, 80. 80 encore. On va la payer la 93. On n'aura rien non plus dans celui-là. Texier, 80. Toujours plaisir de le voir lui. 80 encore. Putain, on a les plus petites dans ce pack-là. Les plus petites. 82. Juste histoire de monter un peu. Il nous reste 4 cartes. On est dans les 5 dernières déjà. Allez le jeu. Allez. 82. Ouf. Allez, on veut le faire le doublé. 75. Doré, 81. Et sur la dernière. Allez, appelez-la avec moi les amis. Allez. Allez, allez. Eh bah tant pis. Rien du coup dans ce pack-là qui sera bah, peut-être l'un des plus mauvais packs comme ça qu'on aura ouvert cette année comparativement à l'un des meilleurs méga packs qu'on aura fait. Comme quoi les probas, ça finit toujours par se niveler. Bon, et bah c'est là-dessus que je vous laisse les amis. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine. Et en attendant, je vous souhaite à tous un très bon jeu avec un max de pack luck. Et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.